Eh bien, yo tout le monde, c'est Captain Kazma et bienvenue pour ce nouvel épisode de Assassin's Creed 4 Black Flag. J'espère que vous allez bien. Ce soir, les amis, c'est en mer que je vous retrouve et nous sommes repartis pour l'aventure. Tu nous as lâchement abandonnés, Satch. Il est mieux demeurer ici, est-ce qu'il dit. Qu'il crève. Et que tous ceux qui suivront ce chien galeux dans l'oubli finissent pendus. Je maudis cette pourriture. Je sais que t'es venu me ramener au bercail, Kenway. La fidélité t'honore. Mais après ce qui s'est passé à Nassau, je sens que je suis fini. Je partage pas ton avis, Ed. Mais je te reprocherai pas de voir les choses en face. Tu es toujours à la recherche de ce sage ? Ouais. Il y a un mois, en faisant une prise, j'ai appris qu'un homme du nom de Robert travaillait sur un navire négrillé. Le Princess. Tu pouvais chercher par là. Le Princess. Merci, Satch. Nom d'un chien, tu vas pas rester planté là comme un hareng. C'est ma retraite qu'on célèbre. Débouche donc, mon petit déjeuner. Garde-nous quelques bouteilles. Tiens, 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 il semblerait que notre bon ami n'ait pas envie de rester avec nous pour fêter la retraite du capitaine Satch. Qui c'est que c'est celui-là? 200 riolesques, c'est un espion. Il a pas l'air de m'avoir capté, on est reparti. Tac, 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 tout ça dans la plus grande discrétion, je dois pouvoir me cacher avec eux. Ah, ah. Oui, c'est bon, je suis camouflé. Oh ouais, ouais, très joli jeu, non, je suis tout à fait d'accord. Par contre, il a un as, hein. Ok, on est reparti. Tac, 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 tac. Ok, des buissons. Ninja! Hello, les gars! Lieutenant! Quoi? Restez là. Tirez sur tout ce qui bouge. Il y avait un déserteur parmi eux et il s'est souvenu de ma trogue. Il est tranché le gosier avant qu'il ait pu dire un mot. Quelqu'un t'a vu? Crois pas. Je pense que Kenway soupçonne quelque chose. Il n'y a pas grand chose qui lui échappe. Qu'est-ce que tu sais sur la plage? Une belle assemblée de soudards, trop sous pour tenir debout. Voilà qui fait notre paix. Oui, comme tu dis, je sais tout, je vois tout. Tu ne peux rien cacher au capitaine Kazma. Quel genre de métier? C'est Satch, monsieur. Du moins, c'est à ce nom qu'il répond. Mais il est complètement fou. Il n'y a pas plus dément que lui. Roger de ses inepties, sois précis. Satch aime la boisson, mais pas n'importe laquelle. Lorsqu'il prend un rum flip, il rajoute une bonne dose de poudre à canon sur le dessus. Ai-je bien entendu? Il boit de la poudre à canon? Razor, pour la galerie. Vous savez ce qu'il a fait la semaine dernière? Il a rassemblé une vingtaine de marins de son équipage et il nous a enfermés dans la cale pendant qu'il brûlait du soufre et d'autres minéraux écœurants. On est resté assis là comme dans l'une des fosses de l'enfer. Grand Dieu! Pourquoi a-t-il fait ça? Il aime mettre son équipage à l'épreuve. Voir à quel point ces hommes sont coriaces. Mais personne n'est aussi coriace que lui. J'ai bien cru y laisser la vie, misérable sauvage. Ne craignez rien, soldat. Nous allons en finir avec eux. Allez, c'est le moment. Vite, envoyez le signal. Et souvenez-vous à jamais de ce jour. Par l'enfer. Ouais, ça, je sais pas si c'était prévu au programme de la fête.
Mon dieu, rejoignez le jackdo. Waouh! Là, il y a de la phase. Yapla. Tac. Ninja. Où est ce foutu canoë? Souvenez-vous de ce jour, les gars! C'est aujourd'hui qu'on envoie Lilith Kiroa à sa tombe! Ok, c'est parti! En mer, Moussaillon! Immobiliser le Man of War. Ça va être dur. Je veux bien essayer. Oui, je suis en mauvaise position. Voilà. Je veux bien essayer, mais je garantis rien du tout. À tribord! Ou plutôt à bâbord! Aïe. Feu! C'est bon! Ça va jouer. J'ai de la bonne puissance de feu maintenant! Ah ouais, ça va se faire plutôt bien. Sa vie, elle tombe comme du beurre. Yop là, et là, je lui ai mis trop cher! Yop là, feu! Un dernier coup, il va craquer, feu! Et voilà! Man of War immobilisé. Prêt à l'abordage, mon capitaine! On se rapproche, toupidoupidou. Barre à tribord! J'espère que vous êtes en paix avec le Seigneur! Yop là, prêt à l'abordage! Oula, d'accord. Là, il y a du level. La corde, pourquoi pas, ça va pas avancer à grand chose. Yop là, ah! J'ai failli faire un plouf. Dans le genre entrer en scène majestueuse, on fait mieux. Hein. Yop là. On va passer par là. Yop là. En mode ninja, en fait, ça c'est pas plus mal parce qu'il y a personne qui m'a vu comme ça. Yop là. D'accord. Oh, esquive. Bim. Yop là. Et toi? Aïe. Je vois. Tu te la prends comme ça, mon commodore. Enfin, non, t'es pas commodore, toi. T'es quoi? T'es amiral. Purée, mais ils commencent à me saouler avec leur revolver. Aïe. Et en plus de ça, je vois rien. Yop là. Mais... Ah, purée. Un autre en moins. Yop là. Allez. Yop là. Toi, tu dailles aussi, mon coco. Mais... Purée. Ouais, sur ce... Tac. Tu meurs. Esquive. Yop là. Allez, on met le feu à ça. Il veut pas mettre le feu à ça. Boum. Je peux mettre le feu au baril. Allez, il veut pas mettre le feu au baril. Bon, c'est pas grave. Je vais d'abord essayer de m'occuper des autres. On verra le baril après. Yop là. Purée, je crois que j'y arriverai jamais, le baril. Allez. Ah, nickel. Yop là. J'ai mis feu au baril. Fuyez. Yop là. Poussez-vous. Aïe. Ça, je me fais en passant. Yop là. Fuyez, mes amis. C'est pas du tout là que je voulais aller. C'est pas grave. Nickel, on redescend. Voilà. Il reste plus que un baril, 3 hommes et 2 officiers à battre. Les officiers, ça va se faire facilement, je pense. Yop là. Yop là. Yop là. Tu tailles. Allez. Mets le feu à ça. Mets le feu. Nickel. Diable m'emporte. Où est le jackdo? Non, les salauds. Les salauds, ils ont tué Satch. Non. Le pirate le plus charismatique de l'histoire, j'y crois pas. Oh mon dieu, j'y crois pas. Non. Oh, c'est abusé. Oh mon dieu. Satch est mort, quoi.
Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Putain, s'il y a bien un pirate que je pensais suivre jusqu'au bout, c'était Satch. Mes amis, je propose de faire une minute de silence pour le capitaine Satch. Capitaine, on s'en est sorti. Capitaine, il boit en compagnie du diable. Ah, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le capitaine Satch est mort, quoi. Ah, oh, je suis perdu, là, je... Et en plus de ça, j'ai mal à la gorge. Ah, je suis dégoûté. S'il y avait bien un pirate que je voulais pas voir mourir, c'était Satch, quoi. Oh là là là. Satch ! L'immortel pirate ! Enfin, le pirate immortel. Je suis dégoûté. Simplement, je suis dégoûté. Pour la suite, on va aller se téléporter ici. Et je pense qu'on va aller attaquer un fort. Re, mes amis, finalement, c'est aux abords de la mission que je vous retrouve. Alors, je suis désolé, je vous ai fait une ellipse à cause du fort. Mais là, c'était... Là, je crois que ça a été le pire combat de toute ma vie. Ça aura duré presque une vingtaine de minutes pour tuer deux officiers qui couraient à travers tout le fort. C'était pitoyable, réellement pitoyable. Vous connaissez Coyote et Bibip ? Bah, moi c'était Coyote. Alors Satch s'est fait saigner. Fut chier. Ils étaient trop nombreux. J'ai rien pu faire. Faut reconnaître qu'il savait se battre, mais son cœur était partagé. C'est dur de renoncer à la vie qu'on a aimée. Ouais. Mon idiot de père passait sa vie à se vanter. Il allait s'acheter son propre navire. Je vais prendre un contrat de corsaire, Charlie. Ton vieux père deviendra capitaine. Il s'est noyé dans le whisky sans jamais quitter le rivage. Alors, Kenway. J'ai bien réfléchi à ta petite affaire, cet observatoire dont tu ne cesses de parler, t'es certain qu'il existe ? Je cherche un négrier baptisé le Princess. À bord se trouve un homme appelé Robert. Il nous y conduira. Tous ces négriers travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. Prends un de leurs navires, on en saura davantage. Quel est le cap, Capitaine ? On cherche un navire négrier. Un de ceux qui travaillent pour la Compagnie Royale d'Afrique. T'as pas l'intention de te lancer dans le trafic d'humains, hein ? Bon Dieu, Adé. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. On cherche des informations, c'est tout. Je veux savoir où mouille le Princess quand il ne navigue pas. Le Princess ? Un navire négrier ? Ouais. Barbe Noire m'a dit qu'on avait de bonnes chances de trouver le sage à son bord. Alors, nous sommes à la recherche d'un bateau névrier africain. Bon, ça devrait pas être trop dur à trouver ça. Il vient de couler un schooner marchand. Bon sang, cet animal ne pouvait pas s'en tenir à ce qu'on avait dit. Oh, ça y est, va commencer celui-là. Rien que le fait de l'accompagner, je sais pas pourquoi, mais je m'y attendais à ce qu'il y ait du grabuge. Sinon, ça n'avance pas mes affaires. Alors, on va entrer dans la zone où se trouve ce fameux navire. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il ressemble à un navire déjà vu ou est-ce qu'il a un tout nouveau design ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, attendez, on va voir... Être tout prêt, capitaine. Alors, à partir d'ici... un bateau négrier africain... pour le moment, je ne vois rien. On va essayer de gagner un petit peu d'avance. Pour le survivant, c'est pas grave. Je reviendrai le pêcher plus tard.
Ah, par là il y a un truc. Par là il y a un truc. Ah ah! Non, c'est pas ça. Bateau négrier, bateau négrier. Bateau négrier. Ça c'est qui ça? Ne coule pas ce négrier, Kenway. Il y a des centaines d'innocents à bord. Je sais, je sais. Vous restez discret. Ses os sont bien gardés. De la chair bien. D'accord, c'est pas du tout lui que j'avais repéré, mais c'est pas grave. Bon, bah finalement, on s'en sort plutôt bien. On vient de trouver le frégate. Enfin, de trouver le frégate, de trouver la frégate. De ce fameux négrier africain. Maintenant, la chose, ça va être de l'aborder le plus facilement possible. Une frégate de niveau 29. Oh, ça devrait se faire plutôt bien. Est-ce qu'à partir d'ici, je peux l'immobiliser? Presque. Presque, presque. Feu! Nous rapprocher. Ah, ça y est, c'est à partir de maintenant commence la véritable bataille. On va essayer de le contourner par la gauche, parce que s'il continue de me larguer des tonneaux, je vais pas tenir 5 minutes, moi. Il est où, mon pote? D'accord, elle est juste là. C'est le point bleu sur le radar, il me semble. Maudit soit ce Vayne! Il envoie border sur border! Il va le couler s'il continue comme ça. Aïe, 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 aïe. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse l'arrêter. Comme ça, je pourrais l'aborder moi-même. Mais je crois que c'est scripté, en fait. Ouais, ça doit être ça. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais le suivre. Et je vais espérer qu'il s'arrête bientôt. Je vais quand même continuer de l'envoyer quelques petites rafales. Yop là. Oh, yop là. Eh, c'est du serré entre Vayne et le bateau, hein, quand même. J'ai quand même l'impression qu'il prend vachement cher dans cette histoire. Feu! Sauvez Vayne! Oh, j'avais pas vu, j'arrive Vayne! Tout le monde à bord! Et en vitesse! On peut dégager! Je tuerai ceux qui ont coulé mon navire. Calme-toi, mon ami. Souviens-toi pourquoi on est ici. Tiens-nous à l'écart des forts. Ces canons vont nous transporter. Cette frégate est à moi. Tu te couches. Yap là. Ça y est, je l'ai sous ma botte. Encore un petit coup et il fera moins le malin. Nickel. Ok, vite, en position d'abordage. Je tiens pas à continuer le combat là. Ok, c'est bon. Ça va tenir. Préparez-vous à l'abordage! On y va, trouvez le capitaine! Viens me chercher! Servez! La poudre et le fer ont plus de points que les cris, les insultes. Tendez plus qu'à cette douceur! Nickel! Nickel! Ensuite, toi, tu meurs! Ah purée, j'ai loupé. C'est pas grave. Ok, suis à l'ennemi. Yeeha. Il me faut tout l'équipage. Toi, cherche même pas à m'avoir. Ensuite, esquive. Aïe, d'accord. L'esquive va pas du tout fonctionner. Je sais pas pourquoi. Esquive. Toi, tu me fous la paix. Yap là. Ah, c'est plutôt rude comme bataille en fait. Yap là. Yap, yap là. Yap là. Yap là. Yap là. Esquive. Yap là. Aïe. Bien joué. Purée, je galère un petit peu aujourd'hui. En fait, je galère un peu sur tous les jeux que je fais du moment, en fait. Allez, 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 allez. Allez. Mais pourquoi il veut pas les tuer? Anyway, faut se réveiller. Yap là. Yap là. Yap là. Et voilà, ouf, pas facile comme victoire. D'après le capitaine, le Princess transite régulièrement par Kingston. Très bien, c'est là qu'on met le cap. Vous avez mis en pièces mes voiles et mon gréement, bande de gredins. Vous me devez une part. Oh, mon Dieu, Ben.
Oh, Charles! Tu n'es qu'un démon sans cœur. Ne m'emmerde pas, Jack. Mais t'emmerder est ma vocation. Charles! Les gars! Vous voyez? Les gars et moi, on a discuté pendant que vous perdiez votre temps. Et ils ont trouvé que je ferais un meilleur capitaine qu'une meute de chiens fous. Je te jure que tu finiras castré, sale traître! Celui-là, je devrais bien en tirer 10 livres à Kingston, mais avec des ivrognes de votre calibre. Je préfère prendre aucun risque. Tu regretteras cette journée, Rackham. Je les regrette déjà presque toutes. Ligotez-les! Qu'on les abandonne. Je vais t'étriper, Jack Rackham! Je vais t'ouvrir en deux, je vais te sortir tous les boyaux, et je vais en faire des cordes de lutte! Tu peux arrêter de brailler, Vane! Ça nous avance à rien! Oh bah tiens, le redoutable Edward Kenway a parlé. Mais dis-nous un peu, capitaine, quelle issue tu vois à ce désagrément? Et surtout, par quel génie tu comptes conduire un bateau sans voile et sans gouvernail? Tu vas la fermer! Ne bouge plus! Donne-moi ta jolie petite récolte. Pauvre minable. Cette île manque pas de nourriture si tu prends la peine d'en chercher. Mais je cherche, larbin! Et je viens te trouver. Non! Essaie pas de me suivre! T'entends? Essaie pas de me retrouver! Tu es pitoyable. Bon. Bah, ça va, en fait. Je m'attendais à tomber sur une situation un petit peu plus problématique. Je sais pas, peut-être dans le genre... me retrouver bâillonné sur un bateau qui crame, perdu en mer au milieu des requins... Non, ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire niveau situation. Sinon. Come, let us drink it while we have breath. For there's no drinking after death. And he that will down among the dead men. Va danser avec le pêcheur et ses poissons, Kenway. Cette île est à moi! Si tu viens me chercher, je te tue, Sag! Ce sont tes mots directs qui nous ont échoués ici, Kenway! Que je sois damné si je te laisse encore prendre une décision à ma place! Tu ne veux pas discuter, Vane? Tu vas t'accrocher à cette folie? Folie? En quoi un homme qui cherche à survivre est un fou? Je te veux aucun mal, pauvre idiot. Réglons ça entre gentlemen. Je te laisserai en paix quand t'arrêteras de me prendre ce que je trouve à manger et à boire. J'arrêterai que quand tu m'auras payé le prix du sang. Bien. Bah je vois qu'entre ces deux-là, c'est pas l'amour tous les jours. Ben, où es-tu? Plouf. Ah, mais purée, il pourrait pas m'attendre, celui-là. Oh, je l'aurai jamais, hein. Ah, bon Dieu. Qui m'a fichu ce gars-là entre les pattes? J'y crois pas. Et dire qu'à ce moment-là, je devrais être à Nassau, en train de me prélasser, je sais pas. Faire des choses que font les pirates. En genre, bon, on passe pas nos temps à piller, hein, mais... C'est vrai qu'on y passe quand même 75% du temps. What? C'était quoi, ça? What? Attendez. C'est qui a tiré quoi?
t'avais dit de pas me suivre. Ren, tu perds la tête, mon vieux. C'est qu'une juste compensation. Moi, j'ai trouvé des mousquets et des grenades. Écoute-moi, Ven. On pourrait chasser avec ces armes. Excellente idée. Il est devenu cinglé. Maintenant, j'en suis sûr. Ok, ok. Je me rapproche. Ah, la grenade. Ah, purée. Ah, le salaud. Le salaud, le salaud, le salaud. Non. Ok. J'ai esquivé la grenade. Ok, fais feu. Allez, envoie ta grenade. Nickel. Allez, fais feu. Ok, parfait. Non, inversement, c'est moi qui vais te faire disparaître. Là, là, je craque. Là, sérieux, je crois que t'as pété un cap de... Trop. Pourquoi ça pète pas? Vein. Je vois. Yop là. Oh mon gars, je te retrouve, je te jure, je vais te donner une bonne leçon. C'est toi et tes stupides comptes de paix qui nous ont mis dans ce pétrin, Calouin. Que je sois maudit si je te laisse me convaincre. Si tu continues, je vais devoir te tuer, Vein. Eh bien, essaie, vermine, je t'attends. Mais il est pas bien. Vein a pété un câble. Là maintenant c'est bon. Ouais. Je vois venir, chacal. Je vois venir à milieu. Eh, hey, il triche. Il était même pas allumé son baril. Attends, j'ai des armes au moins. Ah, oui, j'ai des armes, mais j'ai zéro munition. Donc, ce que je peux faire, c'est passer par là. Hop là, voilà, ça me permet d'esquiver quelques explosions. Par là. Par là. Tac. Y'a plein. Ah, un coffre. Nickel. 114 rioles, boucle d'oreille et carte en porcelaine. Mouais, ça mène moyen. Tac. Y'a plein. Tac. Oh purée, non. J'ai des jaguars aux fesses. Ah. Purée. Ils me suivent plus. Non, c'est bon. Oh non, ils me suivent toujours. Je les ai entendus. Un seul de nous quittera cette île vivant, Edward! Parce que je refuse de naviguer dans un monde pourri par ta sale drogue! Pourri par ma sale drogue. Quelle drogue! Aïe! Ouh la vache! Ouh la balle, elle fait mal! Allez, trace. Nickel. Ok, là, j'ai pas le droit à l'erreur. Par là. Ah. Je vois. Là, je me suis fait avoir. Je peux passer par où? Par là. Non, je peux pas passer par là. Vite, de l'autre côté. Allez. Trace. Purée. Trace, je t'ai dit. Hop là. Putain, je sais pas du tout par où je dois passer. Par là. Tac. Putain, mais il faut qu'il arrête. Hein. Je vais te faire disparaître. Je suis là. Tu te couches. T'es qu'un sale gibier de potence, Sven. Mauviette. T'es incapable de faire ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Foutu pirate. Voilà ma récompense pour avoir cru à la bonté des hommes. Pour avoir pensé que le pire des racals pouvait se mettre à réfléchir au moins une fois dans sa vie. Peut-être, Cornigold avait raison. Peut-être que le monde a vraiment besoin d'hommes d'ambition pour empêcher les gens comme toi de nous conduire au chaos. Ou peut-être que t'as pas assez de cran pour vivre sans regret. Inutile de m'attendre aux portes de l'enfer, Charles. Je compte pas t'y rejoindre.
Voilà un beau schooner, tout seul, comme ça. Quel démon, ce Vane. Et vous avez pas eu peur de reprendre mon brick à ce parasite. Encore une fois, je vous remercie. Il n'a pas fallu plus de 2 mois à ce chien galeux pour revenir à Nassau, la queue entre les pattes. Il a choisi le pardon, séance tenante. Est-ce que j'ai eu le choix? Ce Roger s'acharne sur moi depuis le début. Ravale ta langue, Rackham. Et maintenant? Toujours en quête de ta satanée fortune? Ouais, et je me rapproche. Le sage fait voile depuis Kingston sur son navire, le Princess. Si seulement ton ambition était mieux dirigée, Kenway. Trouve le sage avec nous. Je n'ai aucun penchant pour toi et ta mystique, Marie. Je veux goûter à la belle vie. La vie facile. Les gens honnêtes refusent la vie facile, Edward. C'est en rêvant à une telle existence qu'on se fait le plus mal. Allez, Rackham. Fais tes adieux à cet endroit. Bon, nous voici enfin de retour à Gwitinagwa. Et là, mes amis, je n'ai qu'une chose à vous dire. Portez-vous bien. C'était Sean Kazma. À vous les studios. Ciao, ciao.